préfet rénal depuis 2 ans. 2 ans et 2 mois. Il y a besoin aujourd'hui de pouvoir justement pouvoir sentir vivant au travers de tout ça, quoi. De se dire, bon on a été greffé certes, on a passé un cap, et puis maintenant on est comme les autres. On est comme les valides, exactement pareil. On fait les mêmes records, on fait les mêmes épreuves, peut-être moins vite, mais on est là. Voilà, il faut compter sur nous. Je suis dialysée depuis 3 ans. La greffe va m'apporter une certaine autonomie, une liberté que j'ai pas parce que c'est 3 fois par semaine, 4 heures que je dialyse. Le sport, c'est pour que la greffe elle soit mieux accueillie dans mon corps, que je sois plus en forme, etc., que j'ai une forme olympique. Même qu'on est dialysé, même si on a un certain âge, parce que j'ai 52 ans, il n'y a rien qui est interdit. On peut toujours avancer et si je le fais, je ne suis pas exceptionnelle, les autres peuvent le faire. Je suis greffé rénal depuis 19 ans et là quand ma soeur m'a proposé le rein après les 5 ans de dialyse, pour moi c'était un soulagement, on revit quoi, parce que d'un seul coup on n'est plus attaché à une machine, on peut aller travailler, on peut vivre normalement, tout simplement normalement. Quand on est greffé, c'est une renaissance, c'est simplement une renaissance. J'ai pu assister à la naissance de mon petit-fils, c'est magnifique. Voilà. Moi, je suis greffé du rein depuis 10 ans cette année, voilà, donc don de vivant de ma maman et tout va bien. Voilà, on reprend le sport normalement et voilà, tennis, badminton, on reprend ses sports favoris et ça fait plaisir parce que ça fait vraiment partie intégrante d'une. Il faut remettre le corps en route rapidement. Donc après une opération lourde, il faut reprendre rapidement pour que le cœur reparte bien et qu'il fasse bien fonctionner le nouvel organe et après on revit complètement et c'est fantastique. Merci. C'est beau de faire du tennis parce que c'est beau de faire du sport, tout simplement. Et puis aussi, c'est le tennis pour moi c'est un jeu. Et donc quand on s'amuse, c'est bien. Et quand on est greffé, finalement il n'y a pas de différence parce que la vie continue. Voilà. Je fais du surf casting, pêche en mer, bord de mer. Et ben, il faut lancer le fil le plus loin possible pour attraper le plus de poissons possible. J'ai ramassé un bar, 16 cm. Là c'est un peu. Ouais mais c'est un peu emmêlé. Trop loin. Pour ça. Je sens pas ma force. C'est un peu emmêlé. On a dit qu'on voulait ralentir, on faisait quoi? On lâche. Ok? Au début du virage, on ne doit pas lâcher sa voile. Vous la tenez un peu. Ça va accélérer un peu, mais c'est pas grave. Si jamais tu touches un plot, c'est rien. C'est parti. Très vite, ça va vite. Ça va vite. Il faut être hyper coordonné des pieds et des mains. Sinon, on a un petit peu de mal quand même. Accélère. Là, allez, tire-moi là.
lâche pas un moment. Bien, allez.